bonsoir. Oui, bonsoir, Roar Zazat. Non, Jean-Marc, c'est Marrakech. On s'en fout, c'est des Arabes. Bon, Jean-Marc. Quoi? Ah, les Trouduc. Bon, allez, s'il te plaît, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Mesdames, mesdemoiselles, bonsoir. Et les hommes, mais on s'en fout. Y'a que les gonzesses qui l'intéressent. Y'a des gonzesses ce soir? La tête de gueuler, Jean-Marc. Ça sert que ça, les gonzesses. Gueuler. Gueuler, gueuler. Bon, t'es venu pour quoi, là? On a dit qu'il va à Marrakech, qu'il va être une star. Oui, alors? Alors, je suis à Marrakech, j'attends d'être une star maintenant, hein. Bien, donc pour devenir une star, il faut coucher. Ouais, je sais, il faut coucher. Ouais, je sais. Je suis prêt à tout. Il y en a une qui veut rentrer dans le show business. Va falloir passer dans mon bureau. Non. Non. Voilà, sous le bureau, Jean-Marc. Cette gaffe à son genou, c'est de la noquette. Jean-Marc, arrête. Ah, pas la tête. Oui, il y a la tête aussi. À chaque fois, elle se cogne, alors. C'est pas de leur faute, hein. Non, c'est à cause du tiroir. C'est Nan Soutu, les nains de l'IKEA. Merci. Elle doit se sucer, les Suédois. Jean-Marc. Quoi? Bon, allez, trouve autre chose, là, si tu veux devenir une grande... Je vais faire comme les Québécois, là, je vais faire Michael Jackson. Non, on peut pas faire Michael Jackson. Si, je te sers Michael Jackson. Tu sais pas faire. Si, je sais faire Michael Jackson, tiens. Y'a des enfants? Non, pas celle-là, Jean-Marc. J'ai la naine avec Jean-Luc Lahaye. Hé. Tu dis connais, j'ai fait la communion. Merci, allez, bien. Y'a des curés? Jean-Marc. Quoi? Bon. Vous voulez que je fasse Michael Jackson? Ouais. Ça te trouve le cul, hein? En exclusivité mondiale, dans toute la France de Roar Zazat, voici Michael Jackson. Dépêche. Jean-Marc. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Michael Jackson. T'as pas mieux que ça comme Michael Jackson? Si. Jean-Marc. Thriller. Compris, ouais, ouais, ouais. C'est rigolo. Jean-Marc. Là où il est, je te t'agnosser, hein, ouais. Je suis le meilleur imitateur en ce moment, hein. Je te fais aussi Claude François. Écoute, maman est très... Disjoncteur. Merci, merci. 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 Eh, quoi? On avait dit, avec Clo-Clo, tu t'appliques. Il est content. Il a fait sa blague de nerf, il est content, hein? Ah, dis-le que t'es content. Je suis content. Ça se voit, hein? Les gens, quand ils t'ont vu arriver, ils sont dit lui. Il est content, hein? Il est content. À mon avis, avec tout ce que tu viens de dire, sa direction la jungle sera pas à Las Vegas, hein? T'as direct, hein? Attends, je viens, t'as de la jungle, je suis né dans le 9-4. Ouais, c'est ça. Dans le 9-4, t'as vu? Wesh, dans le 9-4, t'as vu? Ouais, je représente le 9-4, wesh, ici, la Sani, wesh, la gueule, t'as vu? J'ai vu quoi? J'en sais rien, c'est comme ça qu'ils disent, t'as vu? Ils sont jamais rien vu, les mecs. T'as vu? Ah, il est là. Oui, il est hyper, là, oui, il est hyper, et qu'il est. Il est quand t'as peur, hein? Qui t'aidait? Bon, écoute, Jean-Marc. C'est lui qui est un français. Je suis français. Non, le mec, il s'appelle Jeff Tanaklop. Tanaklop. Ça doit être pakistanais. Jeff Tanaklop. C'est bon? Dans deux secondes, ils vont vendre des roses. Jeff Tanaklop. 3 euros, t'as la clop, clop, clop. 1 euro la tige, t'as la clop, clop, clop. T'as fini là? Il ne reste des tours Eiffel. Bon, écoute, Jean-Marc. On va s'arrêter là. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci! Merci! Ouais. Merci! Oui. Et merci à Jamel de nous avoir invités. Je voulais juste vous applaudir, vous, d'une main, voilà. Ouais, elle est où l'autre main? Bah. Et voilà. Voilà quoi? Je l'ai encore dans le cul. Merci, Jean-Marc. Il y a du monde, bonsoir. Salut les Trouducs, ça va avec les Ronds, ça va? Ah, ils sont restés depuis l'année dernière, ils ont la naine gueule, hein. Merci, Jean-Marc. Il y a un vieux, il est entaillé, d'où je n'aime plus. Jean-Marc, bien. Ou alors ils l'ont monté à l'envers, il est chelou, le gars. Bon. Oh, des footballeurs. Ah ben, arrête, non, pas des footballeurs. Ils ont rien à comprendre. Jean-Marc, s'il te plaît. D'accord. Désolé. Merci. On va vous expliquer jusqu'après. Jean-Marc. C'est à eux qu'il faut mettre le prompteur. Jean-Marc. Bien. Je dis qu'ils sont tous chelous. Mais, allez. Pourquoi ils mettent toujours les handicapés 2 ans? Jean-Marc.
C'est à ce qu'ils osent pas les monter. T'as des roulettes, le vieux? Demande à ta femme, elle va te pousser. Jean-Marc, c'est bon. Vive le Téléthon. Merci. Bien. Mais je déconne. Bah oui. Maintenant, c'est électrique. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un escalier. On va falloir me porter, je vais niquer la batterie. Jean-Marc. T'as compris, les vieux? Bon, ça va? Ouais, ça va. Les enfants, ça va, les chaussures, ça va. Andoula. Bon, on va reprendre parce que là, ça fait deux minutes, on n'a rien fait. Si, j'ai fait des trucs. T'as fait quoi? Je t'ai fait chier. Donc, tout ça pour dire voilà, que grâce à l'invitation de Jamel, être parmi vous ce soir, vraiment, ça n'a pas de prix. Si, ça a un prix quand même, si, si, quand même. Vu comment tu négocies, ça a un prix, hein. Tu négocies très bien. Oui, tu négocies très bien, ouais. Hier, on est revenu de l'aéroport, on a pris un taxi, 120 dirhams, et c'est toi qui as conduit. T'avais ça négocié, toi. Bon, ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir. De toute façon, c'est tout le temps la même chose avec toi. Alors, dorénavant, j'aimerais que t'arrêtes de te foutre de la gueule, d'accord? Dorénavant, à partir d'aujourd'hui, je veux zig-zig-gise. C'est dur à dire, ça, hein? Je t'emmerde, c'est dur à dire. Je veux zig-zig-gise. À partir d'aujourd'hui, une limousine, du champagne et plus les calèches chelous avec les chevaux qui tiennent plus debout, d'accord? Ouais, c'est sympa, les chevaux. Ça chie partout! Est-ce qu'on peut faire le sketch? Oui, on peut faire le sketch. Avec ta nerf, moi, je fais la grève. Jean-Marc. Jean-Marc. Bon, je fais quoi? Tu vois ça avec mon agent. Mais t'as pas d'agent? Si, j'ai un agent. J'ai trouvé un agent à Marrakech qui va m'en rigoler, mon pote. Un agent marakchi. Il va se faire niquer en beauté. Jean-Marc. Ouais. Jean-Marc. Agent. Non mais... Agent. C'est agent. Bon, il est où ton agent, là? Il est dans son bureau, faut pas le déranger. Il est où, son bureau? Il est là-bas. Le truc, là? Oui. C'est pas un bureau? Si, c'est son bureau. Bon, je vais aller lui dire deux mots à ton agent, moi. Il toque avant d'entrer. Il est con. Il dort, ton agent? Bah oui, mais il est 2h du mat à Hollywood, mon pote, hein. Bon. Il s'appelle comment? Momo. Ok. Monsieur Momo. Monsieur Momo. Il est en train de dormir. Monsieur Momo. 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 Réveille-toi. Bougeule, bougeule, il dort encore. Momo, réveille-toi. Hey, oh là là, il y a du monde. Oh là 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 là. Oh, il y a du monde. Bonjour, vous êtes les bienvenus. Je suis Momo, agent artistique. Ouais, il est agent artistique, c'est lui qui prend tout mon fric en ce moment. Momo. Oui. Je te présente Jeff. Ah, c'est toi l'amateur? Non, je suis pas amateur. Si, tu sais rien faire, mon pote. Bon, Jean-Marc, j'aimerais bien que t'arrêtes de te foutre de ma gueule. Je me fous pas de ta gueule. Ah. On est 3000 à foutre de ta gueule. 3000? Oui. Ouh là là, ça fait beaucoup d'argent, ça. Alors, attends. 3000, que je nulle 310 rannes. Attends, je nulle 7, plus 2, plus 4, je retiens 2. J'enlève la TVA, je remets la TVA, je secoue, après je remets dans l'ordre, voilà, je nique le fisc, je pars en Suisse, je boite à Hong Kong, et à ce moment... Momo, oui, réunion. Qu'est-ce que je fais? Tu prends 70 toulsans. Ouais. Et une pastèque. Pourquoi une pastèque? Parce que j'ai la dalle. Excusez-moi. Ta gueule, on est en train de négocier. Alors après, tu te rends du melon, des cerises... Excuse-moi, pardon, excusez-le, désolé. Vous le commencez, votre sketch, ou quoi, là? Ça fait une demi-heure que les gens attendent que vous fassiez un sketch. Ouais, enfin, c'est Jean-Marc qui a pas envie. Non, j'ai envie, il se dénerve. Et qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu vas recommencer comme l'année dernière, t'as pas changé, hein? Ouais, toi, t'as grandi, hein. Ah, ça, c'est sûr, hein. Ouais. Ouais, ouais. Il faudrait le recommencer, il lui manque un être. Écoute-moi, tu t'as... Hé, tu laisses mon ami tranquille. C'est quoi cette vache, là? Je suis pas une vache, je suis un chameau. C'est une vache, c'est mon agent. Ton quoi? Mon agent. T'es un agent? Oui. Pourquoi faire? Ah, pour te faire de l'argent, tu comprends le truc? Vous voulez combien? 600. 600? Oui. Oui, 600. 600 quoi? Ah, ça dépend si je te fais reniquer en dirhams ou en euros.
On n'a jamais de la vie 600, ça vaut trop d'accord, cher. D'accord, d'accord, d'accord. 800. Mais tu viens de me dire 600 il y a deux secondes. Et d'un seul dire oui il y a deux secondes. Commencez pas les mecs, 800 c'est impossible, c'est d'accord, trop cher. Mais c'est trop tard, maintenant c'est 1000. 1000 Oui. Oui, 1000, mais... tout à fait, oui. Eh, écoutez-moi bien Eric et Ramzy là. Surtout toi Ramzy là, il y a aucune peluche qui vaut 1000. Si, il y a nous. Non mais les mecs... Maintenant c'est 1200. Quoi? 1300. Mais non, mais tu me... 1400. Didi, alors? Il dit quoi là, le leader clé marocain là? Vas-y, redouble le truc là. Tu sais quoi, allez faire votre sketch au Nebraska, j'en ai rien à foutre de votre sketch. Eh, reviens, mon cousin, reviens, la gazelle, reviens, mon cousin, reviens. Oui. Reviens, mon cousin, la gazelle, reviens, mon cousin, la gazelle, reviens, la gazelle, reviens, le petit, viens, on va négocier. Non, tu négocies rien du tout. Je la connais, la tactique de touriste. Oui, non, ça m'intéresse plus. Vas-y, je vais aller voir ailleurs. À côté, ils ont fait moins cher. Faudra-t-il se foutre de notre gueule? Ah, c'est tous des idées. Ils sont des bisous dans les garçons. Ah, tu fais pas le sketch, plus rien. Tu donnes envie de frire. Ta gueule, le lapin, là. Quoi? Il dit je suis un lapin, alors je suis un chameau. Jeff, s'il te plaît, on va remballe. Ouais, et travaillez ça, s'il vous plaît. On a oui, mais c'est du foutage de gueule. Aujourd'hui, c'est le lapin, demain, c'est quoi? La camionnette, l'escargot. Travaillez, organisez-moi un numéro qui tienne. On est là pour faire un festival. Je veux du professionnalisme. Excusez-moi. Service après-vente, bonjour. Salut, Jeff. Jamel. Ouais. Eh, vous êtes où là? On vous attend, on a commencé le spectacle. Ouais, déjà. Bah allez-y sans nous, parce que là on est retenu à l'aéroport de Marrakech, c'est une galère. Mais pourquoi l'aéroport? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah c'est Jean-Marc, il a insulté l'hôtesse, il a regardé sous sa jupe. Non, je vais pas insulter l'hôtesse! J'ai demandé si elle voulait goûter mon jus de tomate! Et après elle a chauffé, elle m'a dit ouais, veuillez détacher votre ceinture et tout! Alors direct, ding! Le jus de tomate, quoi, tu comprends? Je te jure, j'ai rien fait, Janelle! Voilà Martine! Voilà Martine? Voilà Martine! Ouais, c'est elle qui t'a demandé d'allumer ta cigarette, peut-être? Détends-toi, Pikachu! C'était une cigarette, c'était un joint! Et puis, il s'est interdit de fumer dans les chiottes, pas dans le cockpit! T'as fumé un joint dans le cockpit? Ah oui, c'est le seul endroit où on peut ouvrir la fenêtre! T'as ouvert la fenêtre dans le cockpit? Oui, bah attends, c'est pas le pire, hein, Jamel. Hein. Mais y a pire que ça encore, tu vas me dire! Écoute-moi bien, Jamel, ça va te faire marrer! J'ai pris le micro du commandant et j'ai crié Allahu Akbar! Mais comme ça, juste pour rigoler! Ça t'a fait rire tout le monde. Mais vous êtes où là? Vous attendez quoi? Bah ils attendent que Jean-Marc fasse ses excuses. Hey, jamais de la vie je ferai des excuses. Jamais. Je ne suis jamais excusé. Même quand je me suis tapé la mère de Jeff. Quoi? Quoi? Attends, Jamel, parce que là faut que je règle les comptes, ça va finir en tagine. C'est ta mère le tagine, elle a goûté mes olives. Bon, Jamel, on se rappelle là. Ah, oh. Les olives. Bonsoir Marrakech, ça va? Salut Maître Nuu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 
Ça n'empêche que Couscous, il nous a fait une entrée de nerde. Bon, écoute-moi bien, Michel Blanc. C'est une chance extraordinaire d'être sur M6. Vous êtes là, vous la racontez. Profitez du moment, les mecs. Moi, je suis hyper contente, Jamel. On est en prime time sur M6. Moi, c'est trop bien. Wesh, Ziva, yo. Représente Melja. Mais quel ringard, celui-là. Arrête de rire. Alors, Elie Sonmoul, là, il a la musique, les danseuses et le traiteur, et nous, rien. Nada. Walou. Non, mais moi... Ah oui, toi, juste un nom, le petit qui a 52 ans et qui en fait 12, là. Hey, je suis passionné, moi. Il faut beaucoup plus qu'une guitare pour faire un spectacle, hein. T'es pas là, t'es où? T'es pas là, t'es où? Je sais pas où il est, mais en tout cas, tu vas me faire une entrée comme il faut. T'as entendu le macaque? Tu vas lui faire une entrée digne de son rang. Digne de son rang ou tant? Ouais, mais je veux pas d'embrouiller. Ouais, mais moi, la première fois que je viens, je veux voyager en jet privé. Merde. Et pourquoi tu voyages pas en ta mère? Mais non, mais je peux pas. Pourquoi? Parce que je dois rentrer avec le train de ta sœur. Non, 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 moi, je veux pas te battre comme ça, ça suffit. Maintenant, Jean-Marc, tu m'enquiquines. Tu m'enquiquines? Tu m'enquiquines? Eh, c'est à moi que tu parles, alors déjà, tu me vouvoies, tu n'attends le siège en arc, et tu t'incarnes, le Nortine. Parce que là, on est dans un festival d'humour, on est là pour rigoler, ok? Ouais, mais il a raison, le Nakak, faut rigoler. Alors, tu rigoles? Ouais, bah tu rigoles! À toi, Jackie! Ah, on sent la gueule! Bah voilà! C'est quand même pas contre l'iquette, ça nous est, merde! C'est le narrakech de quoi, là? Du rire. Du rire. Et donc voilà! Alors on rigole! Jeff? Ouais. J'espérais que ça se passe différemment. Moi aussi. Mais t'inquiète pas, frérot, en vrai, je vous kiffe. Mais bon, ils ont fini de se tripoter la nouille, les deux intermittents, là? On peut partir parce que j'ai un massage avec finition. J'en suis, ouais. Allez, on se casse. Salut les trous ducs. Merci beaucoup. Bonne soirée.